Le temps d'un court instant, nous voilà plongés à l'époque du Far West. Tout y est, les décors, les costumes, les cow-boys et la musique d'Ennio Morricone. Un air interprété en live par Kurosawa, le siffleur des plus gros westerns de Sergio Leone. Simple, s'il sait vraiment, les gens, ils ne peuvent pas savoir. C'est très... parce que c'est en direct. J'aime de faire les choses en direct. Moi, je préfère les risques, mais je suis en tension. Et ça me plaît davantage. Sinon, c'est pas un plaisir. Autre clin d'œil au cinéma américain, cette DeLorean. Une voiture rendue mythique grâce au film Retour vers le futur. Un objet de collection qu'Alain a pu s'offrir il y a quelques années. Le fruit d'une passion démesurée depuis qu'il a 15 ans. C'est l'aboutissement de mon adolescence en fait. Moi j'avais 15 ans quand le film est sorti. Et là maintenant je roule dans la voiture que j'avais en miniature, dans la voiture que j'ai admirée puisque c'est un personnage à part entière dans le film. Et là maintenant je vis vraiment une passion jusqu'au bout parce que, hormis peut-être la faire voler, mais ça faudra attendre le 21 octobre, date à laquelle ils arrivent réellement dans le futur en 2015. Mais voilà, je vis vraiment déjà un rêve et c'est extraordinaire et on le partage avec les gens, c'est ça qui est génial. De leur côté, Max et Terry prennent un malin plaisir à mettre à rude épreuve les moteurs de leur Harley. Ces deux jeunes bergaliens réalisent des cascades et des figures sur la roue avant ou arrière. Une prouesse technique en raison de la difficulté à maîtriser ces motos mythiques. C'est un peu plus compliqué qu'en sportive. Déjà en japonais c'est un peu compliqué. En Harley après, ben, c'est des motos qui sont un peu plus lourdes. Le moteur n'est pas le même et on est un peu plus limité en figure. Ces passionnés continuent d'entretenir le rêve américain, mais certains rêves ont parfois un coût, comme ce modèle rare et unique d'Excalibur. Son prix, 150 000 euros.